Ici, à l'extérieur, les gens ignorent encore comment s'est conclu le 11e tour de scrutin. Les deux camps, conservateurs et réformistes, se sont, pensent-ils, retrouvés sur un compromis, l'élection d'un pape de transition qui saura tenir la balance pendant encore quelques années. Il va tous les surprendre. Dans le conclave, on demande au nouvel élu s'il accepte son élection à la tête de l'Église et si oui, quel nom il souhaite prendre. À partir de cet instant, le vicaire du Christ règnera en monarque absolu, n'ayant de compte à rendre qu'à Dieu et à sa conscience. Une fumée blanche s'élève. La nuit est tombée quand le doyen des cardinaux, selon le vieux rituel, proclame le nouveau pape. Angelo Giuseppe Roncalli, 77 ans. Il prend le nom de Jean XXIII. C'est la liesse place Saint-Pierre et l'étonnement à travers le monde. Qui est ce nouveau pape? Quand j'ai entendu son nom, je venais d'être nommé archevêque de Vienne. Je me suis dit, eh bien, d'abord Pie XII, la grande figure historique, et maintenant ce nouveau pape avec son air bonhomme, est-ce que ça peut marcher? Il ne saurait être qu'une figure passagère. On sous-estime le nouveau pape. Bientôt, il les surprendra tous. Sonnez fanfare pour le renouveau de l'Église. Le Concile Vatican II, première assemblée plénière des évêques depuis près de 100 ans. Pour ses détracteurs, ce pape est la plus grande catastrophe du siècle. Pour ses admirateurs, il est un saint. C'était quelqu'un de profondément imprégné de l'Évangile et en même temps de très humain, qui a compris de manière plutôt intuitive ce qui allait et ce qui n'allait pas, et qui intuitivement a su donner les impulsions qui allaient conduire l'Église sur la voie du renouveau. Tout ce que l'on peut dire au fond, c'est qu'avec lui, l'Église prenait congé de son Moyen Âge. Ce visionnaire est issu d'une famille de paysans pauvres de Bergame. Son secrétaire et compagnon de toujours, Loris Capovilla, a conservé par-devers lui de précieux souvenirs de Jean XXIII. Parmi ceux-ci, un journal. Chose unique en 2000 ans d'histoire de la papauté. Les pensées d'un pape fraîchement élu. 28 octobre 1958. C'est comme un rêve. Et pourtant, ce sera jusqu'à ma mort la grandiose réalité de ma vie. 300 000 personnes m'acclament. Les projecteurs m'empêchent de voir autre chose qu'une masse informe. En cet instant, quand il est revenu du balcon, il m'a confié, aveuglé par toute cette lumière, je me suis dit, si tu n'es pas humble et doux en ton cœur, là tu deviendras vraiment aveugle aux problèmes et aux misères du monde. Humble et doux, comme Jésus-Christ notre Seigneur. Humble, mais pas inactif. Mission à Istanbul pour le Saint-Siège. Le futur pape était diplomate. C'est l'époque du plus grand crime du siècle. Le génocide organisé. Dans les Balkans, Roncalli sera le sauveur des Juifs persécutés. Ils sont 20 000 à lui devoir la vie. C'était partout pareil. On nous disait, nous ne pouvons pas vous aider. À une exception près, à Istanbul,
j'ai rencontré un petit archevêque rondouillard nommé Roncalli, nonce apostolique en Turquie. Quand je lui ai raconté ce qui arrivait aux Juifs, il s'est levé, s'est mis à pleurer, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Rabbin, que puis-je faire pour me rendre utile ?» En 1944, il est nonce dans la France libérée et 9 ans plus tard, cardinal. Mais il n'est pas de ceux dont on parle le plus. Patriarche de Venise, beaucoup voient là une belle fin de carrière pour le fils de paysan bergamasque. C'est alors qu'à Rome meurt le vieux pape. Préparatif du conclave. La chapelle Sixtine est transformée en bureau de vote avec possibilité d'hébergement. Un théologien assure avoir compris quelles qualités recherchent les cardinaux. Un pape jovial et aussi pas trop intelligent. Cela, les cardinaux n'aiment pas trop, avoir quelqu'un qui perce leurs intentions. Le portrait de Jean. Est-il le papabile? Le conclave va commencer. À Rome, Roncalli ne passe pas pour le premier choix. Lui seul a l'intuition de quelque chose. Il écrit dans son journal, non sans excitation. Ça papillonne beaucoup autour de ma petite personne. Je suis persuadé qu'il était convaincu qu'il serait élu pape. Il m'avait dit en prenant congé, nous nous reverrons à Venise ou ailleurs. Le collège des cardinaux a moins de certitude. Il leur faut 4 jours. L'accord ne se fait qu'au 11e tour, sur le plus petit dénominateur commun. J'attendais avec les autres secrétaires. Tout d'un coup, quelqu'un demande « Monseigneur Capovilla est-il ici ?» À cet instant, j'ai compris que mon cardinal Roncalli avait été élu. J'ai traversé la chapelle Sixtine pour me rendre dans la petite sacristie. Il était déjà là, en train de revêtir la blanche soutane du pape. La fumée blanche s'élève. En coulisses, on s'agite. Les nouveaux habits sont trop serrés. Les couturiers non plus ne s'attendaient pas à lui. Le résultat est que lorsqu'il donne sa première bénédiction, le pape peut à peine lever les bras. Ce qui n'empêche pas la foule de l'acclamer. Ils m'aiment tous, sauf le couturier, dira-t-il. Et alors il a dit, n'importe qui peut devenir pape. J'en suis la preuve flagrante. De ce moment, un vent nouveau souffle sur le Vatican. Les employés sont les premiers à s'en apercevoir. Le nouveau pape veut tous les connaître et il les écoute. Un bon berger, en effet, dit le pape, doit connaître chacune de ses brebis. L'après-midi eurent lieu les premières audiences et nous avons demandé « Alors comment s'est passée l'audience avec le nouveau pape ?» Et les gardes ont dit en secouant la tête « Bizarre. Ah bon, pourquoi ?»« Bah, il raconte des blagues. » En public également, il se montre volontiers désinvolte. Son prédécesseur les dominait de la tête et des pieds. Lui descend dans la foule. Pendant une conférence de presse, il lance aux journalistes « Je suis Joseph, votre frère. » Nous étions habitués à un pape altier, dont le geste de la main préférée était la bénédiction. Et voilà qu'arrive un pape qui sort un mouchoir de sa poche et se mouche devant les caméras. Tira fuori il fazzoletto, soffia il naso.
et il va plus loin. Le troisième étage du palais pontifical, hermétiquement fermé au monde extérieur, le domaine privé du pape. Jean l'ouvre au tout venant. Une équipe de cinéma suit le souverain pontife dans ses appartements privés. La chambre du pape, Radio Vatican et les Canaries. Tout cela est une première, mais tout le monde n'est pas enthousiaste. Il y avait quelques réserves. Ce pape avait des traits de caractère qui peuvent paraître très sympathiques vus de l'extérieur. Mais la spontanéité et la franchise ne sont pas nécessairement toujours de mise pour un pape. Jean XXIII voit plus loin. Lors de la cérémonie d'intronisation, il tient des propos d'une rare clarté. Éducation, diplomatie, sens de l'organisation, dit le pape parfait. Mais cela ne peut pas remplacer que l'on soit un bon berger pour tout le troupeau. C'était un changement complet d'image, entre Pie XII, aristocratique, hiératique, et un pape qui adorait se présenter comme un paysan. Il voulait être pour tous le bon berger. Les Romains l'appelaient familièrement Paciocone, ce qui signifie quelque chose comme le gros marrant. La basilique Saint-Jean de Latran, l'église de l'évêque de Rome. Son entrée solennelle ne représente pas pour Jean XXIII le respect d'une tradition vide de sens. Il veut être pasteur, le bon berger de la ville éternelle, un souverain pontife proche des gens. Et ceux qui ne peuvent venir à lui reçoivent sa visite. Jean XXIII, le soir de Noël, à l'hôpital pour enfants. Un orphelin de 9 ans porte le même prénom que lui. « Moi aussi, je m'appelais Angelo », dit le pape. « Mais maintenant, ils m'ont donné un autre nom. » Jean se rend même en prison, le vicaire du Christ parmi les voleurs, les souteneurs et les assassins. « Quand j'étais petit, confesse le pape, j'ai volé moi aussi. » Une pomme. J'ai eu de la chance, je n'ai pas été pris. De toute façon, je n'aurais pas pu la rendre puisque je l'avais déjà mangée. Un style qui fait mouche, un gros marrant, rien de plus. S'il voulait un pape de transition, qui ne régnerait pas trop longtemps, qui obéirait bien sagement et ne ferait rien de neuf, ils se sont trompés. Abemus Pepem, se moquent certains. Mais le Pépé n'est pas aveugle. Le monde a changé à toute vitesse. L'Église doit-elle réagir à tout cela? Jean XXIII à Castel Gandolfo.
Il cherche la réponse dans la prière. Il racontait que cette semaine-là, il lui serait tout bonnement venu une idée. Et si on convoquait à nouveau un concile, il serait grand temps. Et alors il se serait dit en lui-même, « Mais non, voyons, ça n'est pas possible, je ne suis pas prêt. Comment pourrais-je faire ça ? C'est une suggestion du malin. » Le concile, une œuvre du diable ? 20 fois dans l'histoire, les évêques se sont réunis en concile. Le dernier a eu lieu 100 ans auparavant. Sa principale décision, l'infaillibilité du pape, ce qui semblait rendre superflu tout nouveau concile. Le pape peut trancher lui-même toutes les questions. Celui-ci également. Il paraît qu'il a dit une fois, je sais bien que le pape peut être infaillible dans beaucoup de ses déclarations, quand il s'exprime ex cathedra, c'est-à-dire depuis la chaire de Saint-Pierre. Mais moi, je n'ai pas l'intention de m'y asseoir. Jean XXIII mise sur ses évêques. Lui-même n'a pas prévu d'ordre du jour pour son concile. Mais il ressent la nécessité d'ouvrir grandes les portes et les fenêtres de l'Église. Comment faire, l'avenir le dira. L'un des premiers à apprendre la nouvelle lors d'une promenade dans les jardins du Vatican est son secrétaire. Un jour, il m'a dit, il nous faut un concile. Comme ça, simplement, l'air de rien. Puis, presque un mois plus tard, avant Noël, au train où vont les choses, je pense que je dois essayer. Je dois jeter le filet dans la mer. Je dois risquer le concile. Le 25 janvier 1959, les cardinaux de la curie sont mis au courant à leur tour. Messe à Saint-Paul hors les murs, à l'extérieur de Rome. S'ensuit une rencontre improvisée dans le cloître voisin. Jean XXIII fait part de sa décision, un nouveau concile du Vatican. Les cardinaux sont perplexes. En fait, dit Jean, d'un simple point de vue humain, nous nous serions attendus à ce que les cardinaux se pressent auprès de nous pour nous féliciter. On ne commente pas les décisions d'un pape et l'innovation est suspecte. On compare toujours l'Église à une forteresse. Elle doit se défendre, se protéger des erreurs, remonter le pont-levis, fermer les fenêtres et attendre des jours meilleurs. Mais Jean ne veut pas attendre. De nombreux cardinaux sont effarouchés. Ils font grief au pape d'agir de façon précipitée et irréfléchie. Pour l'organe de la curie, l'annonce du concile ne mérite même pas un gros titre, à peine un entrefilet. On ne soulignera jamais assez l'hostilité de la curie envers le concile. Naturellement, tout cela était très caché. Dans le monde entier, les croyants laissent éclater leur joie. L'aggiornamento, la modernisation de l'Église dont Jean XXIII se réclame sans relâche, déclenche un désir de renouveau sans précédent. Un espoir de réforme dont personne ne sait encore comment elles se présenteront. Tous ne sont pas aussi enthousiastes que le troupeau et son berger. À 2 reprises, le chancelier Adenauer m'a dit qu'il ne comprenait pas que le pape puisse convoquer un concile sans avoir un ordre du jour préalable et sans avoir réglé dans les moindres détails le cours des événements. Signature officielle de la convocation du concile. L'objectif de Jean XXIII est clair, la voie pour y mener encore floue. Le pape confie la préparation concrète à une commission.
Voici les hommes qui sont supposés réformer l'Église. Sont-ils vraiment les plus indiqués? C'était une grande erreur, je crois, de la part du pape Jean XXIII. C'était à peu près comme si aujourd'hui, on plaçait une commission d'enquête du Bundestag sous la présidence du ministre sur le ministère duquel on va enquêter. Dans la commission, on reste entre soi. Tout le monde est d'accord. Le concile devra protéger, limiter, défendre. Une mentalité de forteresse assiégée. En fait, il s'agissait d'un groupe assez restreint d'évêques, pour partie de cardinaux, pour partie de la curie, qui étaient vraiment soucieux, qui se demandaient si on ne touchait pas là à l'essence même de l'héritage de l'Église, en voulant ainsi soi-même la changer. Il faut à tout prix empêcher cela. On joue la montre. Après tout, le pape est vieux. Ici, à Rome, les questions tactiques se discutent de préférence autour d'un bon dîner. Le pape ne peut se permettre de perdre du temps. Visite sur le terrain dans les cités satellites autour de Rome. Les images sont trompeuses. On est ici en terre de mission. Il faut convoquer un synode, une assemblée générale de tous les pasteurs de la ville. Un galop d'essai pour le concile. Mais pour les adversaires de Jean XXIII dans la curie, ce n'est là qu'un nouveau signe de l'activisme papal. Ce synode était quelque chose de tout à fait nouveau. Il est bien naturel que chaque pape essaye de faire quelque chose de très personnel, qui soit également aussi novateur que possible. Mais pour Jean XXIII, justement, c'était très très difficile, après un aussi long pontificat que celui de Pie XII, de prendre de nouvelles initiatives. Les prêtres de Rome, dépositaires de l'espérance? L'Église ne se prête guère au débat démocratique. Le synode s'achève sur l'adoption d'un code de conduite pour les prêtres qui déçoit. Porter la soutane comme la tonsure, ne monter en voiture qu'en cas de nécessité, ne pas aller au cinéma. Reste un retour à la tradition biblique. Le lavement des pieds le jeudi saint est réintroduit. Les adversaires respirent. Si le concile se déroule comme le synode, il sera le plus tranquille de l'histoire. D'abord, quand il y a eu l'annonce du concile, naturellement, tout le monde était rempli d'espoir. Là-dessus est venu se greffer le synode romain. Ce synode de Rome a mis un frein à nos ardeurs et il en a même rendu pessimiste plus d'un. Août 1961, construction du mur de Berlin. Le patron du Kremlin, Khrouchtchev, referme la dernière porte vers la liberté. Son vassal Ulbricht ment avec aplomb. Le monde au bord du gouffre. Au Vatican aussi, l'inquiétude gagne. Le secrétaire d'État Tardini informe le pape. Que peut faire le Saint-Père? Parler avec les communistes? Ils ont filmé la scène quand il parle avec Tardini et on voit très nettement son doigt passer sur une carte et s'arrêter sur Berlin. Et alors il a dit...
Ça n'est pas possible. Il ne va quand même pas y avoir encore une guerre à cause d'une ville. Une guerre pour une ville ? Nikita Khrouchtchev n'y songe pas non plus, mais il en brandit la menace. L'incroyable se produit. Depuis Castel Gandolfo, le pape Jean XXIII adresse au monde, sur les ondes de Radio Vatican, un appel pour la paix. Par le monde, comprendre Moscou. E di popoli sconfitti esso ha bisogno, ma di salute rinnovata e più robusta, di pace feconda e rasserenatrice. C'est la première fois que le pape s'adresse publiquement au maître du Kremlin. À l'époque, prévalait toujours le point de vue de Pie XII, qui interdisait tout contact et toute discussion avec le monde communiste. Et voilà que soudain, ça change du tout au tout. La réaction de Khrouchtchev, il commande à la Pravda un article élogieux sur l'appel du pape. Six semaines plus tard, c'est l'événement. Moscou adresse un télégramme de félicitations au pape pour ses 80 ans. Je descendais à pied cet après-midi-là, travailler comme à l'ordinaire au Vatican, et une voiture de la secrétaire d'État s'est arrêtée, m'a prié de monter et m'a dit « c'est très urgent, il faut préparer une réponse au télégramme de Khrouchtchev », ce qui était une chose, une nouveauté tout à fait extraordinaire. Le palais pontifical est en effervescence. Un cardinal, hors d'haleine, apporte au Saint-Père le message de Khrouchtchev. Le pape prend la chose avec philosophie. Éminence, meglio una carezza che non uno schiaffo. Éminence, a dit Jean, un geste amical, c'est quand même mieux qu'une gifle. Puis il s'est tu, a marqué une pause, et a ajouté « Éminence, ce pourrait aussi être un leurre, une ruse, une tentative pour me circonvenir. Mais cela pourrait être aussi un fil qui m'est envoyé par la Providence. Et dans ce cas, je n'ai pas le droit de casser ce fil. » Le rapprochement se perd de manière informelle. Deux fils de paysans, un monde les sépare et pourtant ils semblent se comprendre. Jean XXIII saisit la chance qui lui est donnée d'étendre ses antennes vers d'autres pays du bloc communiste. Il veut soulager le sort des catholiques opprimés et faciliter la venue au concile du plus grand nombre possible d'évêques. Ses critiques à nouveau n'en peuvent mais. Ce pape est d'une naïveté. Et alors il m'a dit, à Vienne, vous n'êtes pas loin de Budapest. Pourquoi n'iriez-vous pas à Budapest rendre visite au cardinal Mindszenty? J'ai dit, bien volontiers, mais le rideau de fer est bien épais et un archevêque de Vienne ne peut pas le traverser. Et lui de répondre, eh bien vous n'avez qu'à aller à la gare et vous acheter un billet, ça ira bien, allez. À l'extrémité ouest de la cité du Vatican, Jean XXIII s'est fait aménager une vieille tour, la Torre San Giovanni. Le nom ne vient pas de son nom à lui. Il aime s'y retirer pour s'y ressourcer. Les préparatifs du concile ne vont pas assez vite à son goût. La résistance de certains est-elle la seule raison de ce retard? Ou y est-il lui-même pour quelque chose? Jean XXIII ne renonce pas et dit « Quand ils m'ont élu pape, ils ont dit que j'étais un pape de transition. Et maintenant, nous abordons déjà la quatrième année de notre pontificat. Nous avons un programme gigantesque devant nous. Et nous allons continuer. » Le Saint-Père quitte Rome. Pèlerinage à Assise et à Loreto pour la réussite du concile.
On vient lui souhaiter bonne chance. À Rome, au même moment, rien de nouveau. Il existe entre-temps 70 projets pour le concile, tous dus à la plume des organisateurs de la curie. Ils ont tous en commun de n'être pas concrets. L'Église universelle va-t-elle tolérer le blocage systématique de la curie ? Je dois dire que parfois ça m'énerve, cette façon sempiternelle d'opposer la curie et l'Église universelle. Nous étions quand même aussi membres de l'Église universelle dans la curie. La curie et l'Église universelle. Les débuts du concile font oublier pour un temps les tensions existantes. Octobre 1962, Rome accueille 2500 participants représentant 133 nations. Toutes ces têtes avec leurs mitres, les différentes couleurs de peau, les différentes races, oui, l'Église est quelque chose de très coloré. Autrefois, je me disais que nous parlions tous le latin et que nous avions tous la peau blanche. Inconsciemment, c'est ce que j'avais en tête. Et je n'oublierai jamais cette tension que j'avais en moi avec cette inquiétude. Comment cela va-t-il bien pouvoir marcher ? Après 3 ans de rudes préparatifs, écrit Jean XXIII dans son journal, nous sommes arrivés au pied de la montagne sacrée. Puisse le Seigneur nous aider pour que nous menions tout cela à bien. C'est le point d'orgue de son pontificat. Et pourtant le pape apparaît pâle et épuisé. Seuls quelques rares initiés savent ce que les médecins lui ont confié peu de temps auparavant. Au cours de l'une de ces journées, il a été publié un bulletin de santé dans lequel on avait trouvé une très jolie formule. On parlait de maux d'estomac, ce qui pouvait signifier n'importe quoi, problème de digestion, voire même cancer. Son médecin m'a confié ce que cela cachait. Dans son cas, il s'agissait d'un cancer au stade terminal. Jean XXIII a souhaité que rien ne vienne troubler la joie du concile. Lui-même sait que son temps ici-bas est compté. Il a changé son testament et a écrit « Calme et serein, j'attends ma compagne, la mort. » Quand le pape est entré dans Saint-Pierre, il avait déjà parcouru peut-être un tiers de l'allée centrale. Il a ordonné à ses porteurs d'abaisser sa chaise et il en est descendu et a fait le reste du chemin à pied. En y repensant, je me dis que d'emblée, il nous délivrait là un message. Cette fois, il va vraiment se passer quelque chose. D'entrée de jeu, Jean XXIII parle avec clarté. Le maître mot est « aggiornamento ». Les tièdes se voient opposer une fin de non-recevoir sans ambiguïté. Ils prétendent que notre époque est bien pire que certaines époques plus lointaines. Et ils se comportent comme s'ils n'avaient absolument rien retenu de l'histoire, alors que l'histoire est le meilleur des professeurs de vie. Nous nous sentons tenus de contredire ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des événements infortunés, comme si la fin du monde était déjà là. C'est seulement son allocution inaugurale qui a fait naître ses attentes et ses espoirs gigantesques. Parce que Jean avait si clairement exprimé qu'il fallait en finir avec ces prophètes de malheur qui pensaient que le monde était mauvais et que l'Église n'était là que pour ramener ce monde à la raison. «
Dès le lendemain, le conflit éclate ouvertement entre la Curie et l'Église universelle à l'occasion de l'élection des participants au groupe de travail. Les candidats ont été proposés par la Curie, qui entend bien conserver la haute main sur les opérations. Mais des protestations s'élèvent. La Curie romaine en avait trop fait. Les évêques et les théologiens étaient furieux d'avoir été manipulés, non seulement par la commission préparatoire, mais aussi par la commission conciliaire elle-même. Et ils ont dit qu'ils n'acceptaient pas. Les évêques de l'Église universelle sont outrés. Le cardinal français Liénard et son collègue de Cologne, Frings, veulent que les pères conciliaires désignent eux-mêmes leurs candidats. On ne les laisse pas parler et ils finissent par s'emparer du micro. Scandale dans les lieux saints. Les applaudissements ont éclaté quand le cardinal Frings, qui était à moitié aveugle, mais s'exprimait dans un latin très précis, a déclaré de sa voix de stentor qu'il n'acceptait pas et qu'il exigeait que le concile puisse élire lui-même de nouvelles commissions. Ce fut le vrai démarrage du concile. La proposition est acceptée à une large majorité, la session est ajournée. Les évêques rentrent chez eux. Cet éclat qui marque les débuts du concile fut d'abord mal compris. Nous nous trouvions dans la salle de presse et tout à coup on nous annonce « c'est fini ». C'est fini. Ça a commencé il y a une demi-heure et maintenant c'est fini. Ça ne fait que commencer. La réaction des évêques français et allemands est immédiate. Ils élaborent de nuit de nouvelles listes de candidats plus équilibrées. Le concile acquiert sa propre dynamique. Mais il lui manque toujours un ordre du jour. Là, Jean XXIII n'était pas très réaliste. L'Église, avec ses 2500 évêques, n'allait pas crier « Amen et Amen » comme les anges de l'Apocalypse et ensuite rentrer à la maison. Ils allaient discuter, non seulement de l'Église, mais du monde entier. Et le pape Jean XXIII ne pouvait pas savoir combien de temps tout cela allait durer. Il y a suffisamment de matière pour débattre jusqu'en l'an 2000. Le cardinal de Milan met de l'ordre dans le désordre général. En 11 pages manuscrites, il propose une ligne claire, sur le fond comme pour l'organisation. La majorité des pères conciliaires lui apporte son soutien et assure ainsi définitivement la pérennité du concile. Le cardinal de Milan se nomme Montini. Il sera le successeur. Déjà à l'époque, j'ai pensé que c'était le prochain pape qui venait de parler. Car l'état de santé du pape Jean était tel que l'on était sûr qu'il ne serait pas là pour une deuxième session conciliaire. octobre 1962. Des photos de reconnaissance américaine apportent la preuve que les soviétiques ont déployé sur Cuba des missiles nucléaires. Le président Kennedy décrète un blocus naval. Khrouchtchev tente un coup de bluff. Les bateaux soviétiques poursuivent leur route vers Cuba. Le monde est au bord de la catastrophe nucléaire. Que peut faire le pape, sinon prier? Une confrontation, en l'occurrence une confrontation armée, une guerre nucléaire, aurait signifié la destruction totale de la civilisation. Il fallait trouver un moyen de sortir de cette impasse. Or, le pontificat du pape Jean XXIII est tombé justement à ce moment-là,
quand Khrouchtchev d'un côté et Kennedy de l'autre avaient compris qu'il leur fallait trouver une porte de sortie. L'homme du Vatican serait-il cette porte de sortie? Jean XXIII adresse aux deux superpuissances un appel pressant pour la paix. Nous supplions tous les gouvernants de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité, qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix. Ils éviteront ainsi au monde les horreurs d'une guerre dont nul ne peut prévoir quelles seraient les effroyables conséquences. Le pape parle dans l'intérêt du monde entier pour sauvegarder, pour assurer la paix. C'est cela qui lui a attiré tellement de sympathie et de confiance de par le monde. Cette encyclique a été d'une importance extraordinaire pour l'Église. C'était la première fois qu'un document pontifical n'avait pas pour objet la vérité religieuse au sens strict, mais une vérité humaine, la paix. Pacem in Terris, la première encyclique à avoir été mise en musique. Le monde entier applaudit le pape. Time Magazine en fait son homme de l'année. À Rome, on lui décerne le prix de la paix Balzan. La joie est mêlée de tristesse. Il semblait d'albâtre, transparent. Les médecins lui avaient déconseillé de venir, mais il était toujours si gentil. Il ne voulait pas renoncer, malgré son état de santé. Cortège au flambeau pour le pape du peuple. Aucun ne fut autant aimé ni vénéré. Papa Giovanni, un être humain sur le trône pontifical. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo. Les rumeurs se précisent. Le Pape est vraiment très gravement malade et ne vivra plus longtemps. Il a dit lui-même: j'ai préparé ma petite valise, je suis prêt. Pentecôte 1963. Jean XXIII est mourant. Place Saint-Pierre, des milliers de personnes prient pour le pape. Toutes les heures, les haut-parleurs diffusent les bulletins de santé. Le vendredi 31 mai,
Les médecins abandonnent la lutte. Le cancer a gagné la partie. Son vieux compagnon veille à ses côtés. Le pape a dit, quand je suis allongé comme ça, avec le crucifix suspendu au-dessus de moi, je ne le vois pas. Et il l'a fait accrocher face à lui. Une fois, pendant ces dernières heures, son neveu s'est malencontreusement placé devant le lit, et le pape a dit, tu m'empêches de voir Jésus, notre Seigneur, sur sa croix, mets-toi de côté. Son dernier regard est pour ce crucifix. Jean 23 meurt le lundi de Pentecôte, peu avant 8 heures du soir. Selon la coutume, signe de deuil pour la mort d'un pape, les portes du Vatican sont fermées. Dernière pensée d'un pape. Il était très calme, comme s'il voyait que ses prédécesseurs l'attendaient déjà de l'autre côté de la porte pour le recevoir. Il a dit, « Mon temps sur cette terre touche à sa fin, mais le Christ est vivant et l'Église poursuit son œuvre. Les âmes, utunum sint, que nous soyons un, tels furent ses derniers mots. » Tout le monde ne se retrouve pas dans le souvenir de Jean 23. Beaucoup le vénèrent comme un saint, mais pour empêcher sa béatification, certains ne reculent devant aucun moyen, pas même la calomnie, allant jusqu'à suggérer que le pape était homosexuel. Une chose pareille était totalement impossible et même impensable. Et après que j'ai déjà répondu deux fois à cette question, je suis allé voir le cardinal Parfazzini, et je lui ai demandé, comment pouvez-vous poser pareille question? Et lui me répondit, bon d'accord, ce n'est pas vrai, mais le concile, c'est sa faute. Les dernières pensées de Jean s'adressaient aussi à ses adversaires. Si je devais avoir blessé quelqu'un, j'en demande pardon. Et si quelqu'un était mécontent de moi, de mes prises de position ou de mes actes, j'en appelle à son indulgence. Ma dernière heure venue, je suis calme et sûr que mon Dieu, en sa bienveillance, ne me rejettera pas.